J'en suis sûr, vous vous foutez de moi. Vous les faites pas ces mélanges. Hey, c'est Jonathan. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire quelque chose que vous adorez. Et donc c'est la vidéo des combinaisons de nourriture bizarre. Ça doit faire maintenant la 6ème vidéo que je fais. Et à chaque fois vous adorez autant, vous me redemandez à chaque fois. En plus qui dit bouffe dit Jonathan. Mais cette fois-ci je vais goûter vos combinaisons de nourriture bizarre. J'ai mis sur Instagram une story pour me dire vos combinaisons de nourriture bizarre, pour que je puisse les tester en vidéo. Si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Il se passe pas mal de petites choses. Vous pouvez participer à certaines vidéos, comme par exemple celle-là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme ça vous pouvez participer dans de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos combinaisons de nourriture bizarres, comme ça je pourrais les tester dans une prochaine vidéo peut-être. Pourquoi pas une partie 7 si ça vous intéresse. Bref, je vais arrêter de parler et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Alors qu'est-ce que vous me proposez? Si vous êtes aussi fou que moi, je crains le pire. Mon dieu, tout ce que vous m'avez proposé. D'ailleurs entre temps, si tu m'as toujours pas rejoint sur Instagram, mon Instagram est toujours là, n'hésite pas à le faire. D'ailleurs je t'attends, allez. Vous êtes plein à me proposer des combinaisons avec du fromage. Je ne mange pas de fromage. Du coup c'est parti. Un hamburger trempé dans du McFlurry. Vous êtes sérieux là? J'ai déjà trempé mes frites dans le McFlurry, ça se fait. Les nuggets, j'ai déjà trempé. Mais un hamburger les gars, un hamburger. Bon bah c'est parti hein. On a le McFlurry et le petit hamburger. Comme d'habitude hein, sans rien, juste avec la viande. Et du coup bah c'est parti, on va tremper ça là-dedans hein. Ils ont été un peu radins. McDo, j'ai remarqué. Merde. Dans toutes mes vidéos, je fais que manger. Mais parce que quoi? Parce que la bouffe, c'est la vie. J'en suis sûr, certains vous vous foutez de ma gueule. À quel moment tu te dis je vais tremper mon hamburger dans le McFlurry? Les frites, les nuggets, d'accord. Mais un hamburger. Je vous écoute. C'est parti. Oh. Ça dégoûte. 1, 2, 3. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais je trouve ça super bon. Oh non, j'adore. Ah, je mets 10. J'avais un peu peur, mais je vous l'accorde que c'est vraiment bon. J'adore, mais oh, j'ai envie de le bouffer tout entier comme ça. Une pépite, celui-là. Allez, des frites trempées dans du Fanta à la framboise. J'ai des frites, j'ai du Fanta, mais j'ai pas trouvé du Fanta framboise. J'ai trouvé du Fanta fraise kiwi. J'espère que ça fera l'affaire, parce que bah framboise, j'ai pas trouvé. J'ai également les petites frites. Je crois que j'ai jamais goûté ce Fanta non plus. Ouh. C'est bon. Ah, c'est dégueulasse. Un peu de Fanta. Et du coup, on prend nos petites frites qu'on va plonger. C'est parti. Il y a une réaction chimique là. On va goûter. Il n'y a aucun goût. Non, il n'y a pas de goût. Enfin, c'est pas mauvais en tout cas. C'est pas non plus bon. Voilà, je mets 6 quoi. Allez, j'arrête. Donc le prochain, c'est des pains au chocolat avec du coca. Coca pain au chocolat. Je me pose une question quand même hein. Comment t'as déjà essayé ça? Parce que normalement les pains au chocolat, en soi tu prends le matin. Tu bois du coca le matin? Ouais, c'est possible. Je pourrais boire du coca le matin. J'arrête de te juger. Un petit verre de coca. On va se prendre un petit pain au choc. Alors, on va goûter ça. Allez, on va tremper ça. Oh, je l'ai bien trempé là. Allez, je goûte. C'est dégueulasse. Vous avez déjà fait ça, vous? Tremper votre pain au chocolat dans du coca? Dégueulasse. Je mets un 0 sur 10 là. Je valide pas. Putain, on dirait qu'il y a un bout de merde là dans mon coca. Pour le prochain, nous allons rester dans le coca parce que nous allons faire coca plus iced tea. Vous aimez bien faire vos petits mélanges de boissons comme ça. J'aime l'iced tea, j'aime le coca. On va voir si c'est bon. Un peu de coca. Oh merde, désolé, le gaz fait déjà effet. Et un peu d'iced tea. Ça sent que l'iced tea. Mon ventre, il est déjà en train de gargouiller. Je vais goûter ça. C'est parti. Bah c'est pas mauvais. Par contre là dans mon ventre, réaction chimique hein. Explosion. Oh ça fait que... Ça gargouille. Non franchement, c'est pas mauvais, je m'attendais à pire. On sent plus le goût de l'iced tea. C'est pas mauvais. Franchement, pour le coup ça va. Pour le prochain nous allons reprendre notre petit hamburger, parce que nous allons faire hamburger plus le coca. Encore une fois le coca, je sais pas ce que vous avez avec le coca. Cette fois-ci je vais faire avec le coca du McDo. Hamburger McDo plus coca McDo. On va voir. Vous adorez faire les mélanges avec le coca hein. On récupère l'hamburger nature.
Et du coup, c'est parti. Oh, en plus, cette sensation de mouiller dans ma bouche, je déteste ça. 2, 3. Au revoir. J'en suis sûr, vous vous foutez de moi. Vous les faites pas, ces mélanges. Ah bon, ça c'est pas bon. Vous me mentez, c'est pas possible. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Prochain mélange, beurre de cacahuète plus des pâtes. Oui, oui. Beurre de cacahuète et des pâtes. J'avais déjà fait le mélange Nutella pâte. Non, pas Nutella pâte. Riz Nutella. Je sais plus. Bref, bah écoutez, on va goûter quand même. Une cuillère de beurre de cacahuète dans les pâtes. Ça me dégoûte. Ça se mélange même pas. Bon, on va dire que c'est bon. Et du coup, on va prendre quelques pâtes avec du beurre de cacahuète dessus. Et c'est parti. J'aime bien. On sent vraiment que le beurre de cacahuète. Ça donne une petite texture au beurre de cacahuète. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, c'est un peu écœurant parce que c'est du beurre de cacahuète. Et le beurre de cacahuète, ça écœure vite. Mais en soi, c'est pas mauvais. Franchement, je suis choquée. Je lui mets 7. Pour la prochaine combinaison, on va goûter des Skittles mélangés avec du Nutella. Voilà, la dernière fois, j'avais fait le mélange Skittles et beurre de cacahuète. C'était dégueulasse. Non, c'était bon. Non, c'était dégueulasse. Je sais plus. Mais cette fois-ci, on va y manger avec du Nutella. On va ouvrir les petits Skittles. Vous préférez lesquels? Vous, non, les Skittles, moi, c'est les rouges. Mes préférés. J'adore les rouges. On ouvre. On va prendre un peu de Nutella. Un petit peu, hein. Je fais n'importe quoi. Il y a du Nutella de partout. Oh merde. Et on va mettre quelques Skittles dedans. Un rouge quand même. Voilà, 4. Regardez comment ça donne pas envie. 1, 2, 3. Go. Oh merde. C'est dégueulasse. Je vais vomir. Ce goût fruité là dans le Nutella, mais non. Non. Je dis non. Non. Plus jamais. Pour la prochaine combinaison, nous allons mélanger du lait, ce que je n'aime pas. Oui, je n'aime pas le lait, je le digère pas. Non mais même déjà même le goût du lait, j'aime pas ça. Avec des petits nuggets. Vous, vous trempez vos nuggets dans du lait. Encore une fois, qui fait ça? Comment tu peux avoir l'idée de tremper tes nuggets dans du lait? Déjà, je sais même pas pourquoi je fais ce mélange, j'aime pas le lait. Je vais mettre un tout petit peu. Je fais vraiment ça pour vous, hein. Allez, c'est parti. Nuggets du McDo. Trop bon. Bon allez, on va tremper. Oh mais non. Vous avez cru que c'était des petits biscuits ou quoi? Ça me dégoûte. Pourquoi je le fais? Allez, un, trois. Mais c'est dégueulasse. C'est pas bon. Vous me mentez les abonnés, c'est pas possible. Vous jouez avec mon ventre là, hein. Dégueulasse. Ah, mais encore du lait. Je mets 0. 0 point T. Dégueulasse. Dernier petit mélange. Nous allons manger du pop-corn, comme au cinéma. On adore le pop-corn. Il est bien bon ce pop-corn en plus. Ok, j'arrête. Et on va manger nos petits pop-corn avec du beurre de cacahuète. Le retour du beurre de cacahuète. Et bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Sucré salé, on va voir. On va tremper directement notre petit pop-corn dedans. Oh, c'est cassé. On prend un peu de beurre de cacahuète et c'est parti. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Oh merde, ça s'est cassé dedans. Bon, il restera. Non, c'est bon. J'aime bien ce côté sucré salé en fait. Oh, mais ils se cassent tous dedans. Y'en a toi. Non, c'est plutôt bon. Ça devant Netflix, ça se mange tout seul. Hein. Pas trop non plus, parce que le beurre de cacahuète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça écœure. Mais c'est pas mal. Je valide. Je lui mets 8. Bon, bah du coup, voilà. On va s'arrêter là. C'était notre dernière combinaison. Que pensez de vos mélanges? Certains sont bons, d'autres non. Mais je pense que sur certains, vous m'avez bien vu que vous les faites pas vraiment ces mélanges. Vous voulez juste que je me fracasse le ventre. C'est tout ce que je pense. Non, franchement, ça allait. J'ai fait certains mélanges dans d'autres vidéos qui étaient beaucoup pires que ceux-là. Mais le pire, je crois que ça reste... C'est quoi le pire? Le pire, c'était hamburger coca ou Nutella Skittles. Je crois que ceux-là, c'était les pires. C'est vraiment dégueulasse. Mais celui que j'ai préféré, c'était lequel? Je me rappelle même plus des mélanges que j'ai fait. Il y en a un que j'ai mis 10 sur 10, je crois. C'était l'hamburger trempé dans le McFlurry. Le best, celui-là. J'ai adoré. Enfin, gouffer tous les popcorns. Pouf! J'ai tout mangé, sinon.
Et moi je remercie Laure d'avoir regardé ma vidéo. Donc Laure, si tu passes par là, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de commenter mes vidéos, merci de les regarder, merci de me suivre sur Instagram, merci de commenter mes photos, merci pour tout quoi. Je te fais plein de gros bisous. Et donc toi aussi, si tu as envie d'être l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo, c'est super simple, t'as juste à faire comme Laure, à aller me suivre sur mon Instagram et aller commenter ma dernière photo avec l'emoji cactu, parce qu'on fait tous partie de la team cactu. Et grâce à ce commentaire, tu seras peut-être l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos combinaisons de nourriture bizarres. Comme ça, je pourrais les tester dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas une partie 7. Et moi, je vous dis à vendredi dans une nouvelle vidéo. Bye !